Évasion imminente? No way! Non! Non! Non, c'est pas possible! Pardon? Allez, une petite loupe stadium. Solo versus duo. On va les défoncer, les gars. Ils savent même pas encore ce qui va se passer. Allez, les gars, c'est parti. Ah. Emballez ces pesettes. Madame. C'est moi ou même les balles qui m'étaient à côté, elles étaient dessus? Genre, l'arme elle faisait comme ça, mais même si les balles étaient dessus, quoi. Ça sent le mytho, non? Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Il y a comme un il y avait un goût de mytho. Rentrez à la base. Ils ont frappé fort, mais la revanche est imminente. Ouais, mais c'est... Non, mais... Attends. Attends. On va faire un truc que je fais jamais. On va spec le lobby, voir comment ça joue. Ça tombe bien, je suis mort dès le début, goulag, etc. On va spec un peu, voir comment que ça se passe une game. Le mec, il est niveau 3 là. Mais il a perdu direct, il est au goulag, mais il est tout seul. Attends, j'ai lancé un duo où j'ai pas eu de mate, mais lui, il est tout seul aussi. Voyons, on va spec un lobby, voir comment les gens jouent. Lui, c'est un vrai niveau 3, lui. Hein. C'est un vrai de vrai. Il m'a tué, je sais pas par quel réflexe du Saint-Esprit qu'il m'a eu, mais... Après, level 3, c'est simple. Hein. T'as soit un mec qui cheat, soit un mec qui débute à mort. Mais alors lui, il débute à mort. Oh. On avance. Ah ouais, ça va bien de se moquer. Non, c'est mal, j'irai en enfer. Bon, ça fait longtemps que je vais y aller de toute façon, donc j'ai déjà ma place. J'ai mon setup qui est là-haut. Mais what? Et la plaque, non? Parce qu'il met le système trophy. Ah, je rigole, mais il m'a tué. Hein. Il m'a défoncé. Hein. Non. Non, il va pas jouer comme ça. T'es pas... Oh, s'il te plaît, clote-toi les jambes. S'il te plaît. Mon Dieu, Ah bah t'es pas prêt d'être niveau 4 mon petit pote hein. Ah mais il est traqué en fait. C'est eux qui le traquent. Mais mets ta plaque, trou de balle. Ah c'est une poésie hein. C'est une poésie à regarder le type hein. Oh j'adore. Oh c'est trop mauvais ce que je suis en train de faire mais j'adore. Non. Parce que tu regardes au goulag mec, t'as l'impression que dès qu'il m'a vu ce... Tu vois genre il a eu le réflexe de me viser instant et de me marave. Alors après ça peut être la théorie du script que j'avais la dernière fois. C'est de se dire que bah, comme on avait sur Blackout à l'époque, un mec qui est petit niveau aura plus de précision, prendra moins de dégâts. Oh lui, il va y mourir. Il va se faire sodomiser sur place, lui. Ah. Mais pardon! Mais pardon! 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 Et je suis estomaqué! Bon, là, on va spec Looney. Looney qui a l'air. Plus chaud là dans les déplacements. Hein. Niveau 45. Ouais, il s'en va, il revient. Bah, ça peut être la preuve du script. Hein. Mais la théorie du script. Attends. Ouais, compliqué. Hein. Compliqué. Hein. Il en a un, mais il a pas les deux. Hein. Et les autres le réa. Donc du coup je spec qui là? Je spec ceux qu'on tué ou je spec au goulag? Je spec ceux qu'on tué, non? Je vais pas spec le goulag. Ah si, je spec le goulag. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais du coup la théorie du complot c'était ça, c'était... un mec qui est petit niveau.
La théorie du complot, c'est la théorie du script. Un mec qui a un plus petit niveau que toi aura un avantage, le jeu va scripter et lui donner un avantage. Ça veut pas dire qu'un mec qui a un plus petit niveau que toi, il va l'emporter, mais c'est comme si il y avait un certain script dans le jeu qui aurait tendance... Putain, mais heureusement qu'il y avait 100 balles dans le chargeur, non ? Comme s'il y avait un avantage pour les plus petits niveaux. Et c'était un truc qui existait à l'époque sur Blackout, c'est-à-dire que un mec qui était super débutant aura tendance à prendre moins de dégâts, à être plus précis, donc à faire plus de dégâts, ainsi de suite quoi. En gros, plus compliqué de le buter, mais lui plus facile de tuer. Et c'est un script qui existait à l'époque sur Blackout, et qui, j'ai comme le sentiment qu'il a été retransmis sur le jeu. Combien de fois ça t'arrive de te faire buter ou même d'être à un HP? Genre, combien de fois ça t'arrive qu'il y a un combat qui se résulte, que ça soit toi ou l'ennemi, vous êtes à un HP? Tellement de fois, tellement de fois. Et pourtant, c'est quelque chose qui devrait être rare. Tu vois, selon moi. Et inversement, combien, ça t'arrive des fois où tu dis, mais comment je suis pas mort? Comment je ne suis pas mort? C'est pas possible. Je pense que c'est la partie du script. Alors effectivement, il semblerait qu'il y ait la même chose sur FIFA. Ouais, mais les gars, théorie du complot, théorie de si, y a pas de cheater sur Warzone. Ah mais lui, il se retrouve tout seul du coup. Il avait lancé du comblé aussi alors, ou comment que ça se passe? Allez. Le bon petit truc que je fais aussi, mais qui sert absolument à rien. Alors lui, il cheat pas déjà, hein. Ça c'est... Y a pas de doute là-dessus. Bon, il va être peut-être un petit peu plus chiant à regarder. Ça serait bien qu'il se prenne une petite tête au snipe, un truc comme ça. Genre un mec qui arrive derrière, un petit coup de phare dans le cul. Juste histoire de passer à une autre POV, quoi. Évasion imminente ? No way ! Non ! Non ! Non, c'est pas possible ! Pardon ? Ah bah du coup, merci, grâce à lui, je connais la dernière zone. Quoi ? Mais pourquoi il bouge plus lui ? Le délai a expiré ? D'accord. Mais je reviens à la vie, mec ! Je reviens à la vie ! Non mais pardon ! Ok. Bon bah je sais où aller chercher du stuff, hein, du coup. Non ! Ah, le stuff est pas là s'il a déco ? Ah. Ah ouais, le stuff est pas là. Mais non, bah oui. Oh shit. Bah, y a le gars qui va me... Y a pas une porte rouge là ? Ok. Ok. Ah, le shop là-haut, il va pas être possible. Ah bah là. Ok, bon bah écoute, mec, je devrais même pas être là, mais je suis là. Donc c'est assez fou, hein. J'étais là en train de spec des gens en disant tiens vas-y on va spec un peu ce qui se passe. Et je me retrouve à être dans la game quoi. Évasion imminente, c'est pas n'importe quoi. Je peux comprendre.
base se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Bon bah écoute, apparemment quelqu'un l'attendait au loin, hein, au snipe. Ouais, je crois que le masque en or, ça sera mieux ça quoi. Parce que le masque en or, il est resté que deux plaques. Et je crois que deux plaques ça équivaut à 3, à 4 du normal. Putain mais, décidément pour les zones... Il met le plus loin possible. Je vous envoie un largage tactique. Je pense que le mieux c'est que je vais faire tout le tour. J'ai pas besoin du largage. J'ai déjà fantôme, j'ai la MP5. On est pas trop mal. Je pense que le largage ça va plus être une source de problème qu'autre chose. On va longer la zone et on va aller jusqu'à de la nouvelle. Bon, on va essayer de la gagner, hein. Pas avec le maximum de kills, mais tu te dis la circonstance, elle est quand même assez anecdotique. Sur le shop, il y a deux gars. À gauche, il y a deux gars. Ça n'est pas la tambouille, hein. Le coup du mât, ça avait foutu une dent, hein. Par contre, t'avais les deux gars qui étaient là au shop. Way to go, bro. You're the fucking... Déloader de zéro. Bien reçu. Frappe à dispersion envoyée. C'était les derniers, non? C'était les derniers, mais non! Ça aurait été trop beau, putain! Limite, le mec de gauche, fallait pas que je le touche, tu vois, pour qu'il fasse la... Ah bah, je reviens de loin, mec, c'est... ce qui s'est passé, c'est... c'est pas possible, quoi.